Et salut à tous, bonjour pour un nouveau vlog avec un paysage, mais juste de ouf quoi, derrière. Regardez ça, les Pyrénées, c'est juste splendide, c'est super et en plus c'est enneigé, c'est ça qui est bon. Je suis accompagné de Monsieur Boutin. Bonjour. Nolan. Donc un meilleur ami à moi, je suis parti le voir et il m'a hébergé quelques jours chez lui. On va aller visiter, on va aller même monter le col du Portalet. C'est ça. Si c'est bien ça. Problème, il nous faut des chaînes et on n'en a pas. Donc on va essayer d'aller en trouver, malgré les défaites qu'on a eues dans ce magasin où je dirais pas le nom, parce que j'ai pas envie. Et il a fait le plein et il s'est mis du gasoil partout sur lui. Non, c'est le tuyau, il était déjà comme ça quoi. Ouais, ça c'est l'excuse. Excuse. Que je récapitule un petit peu la situation. On a fait quelques magasins, on n'a pas trouvé de chaîne et le truc c'est que... Avec sans chaîne on peut pas monter en haut. Oui, on peut pas monter, on a regardé sur internet et le col du Portalet, on doit avoir les équipements obligatoires. Donc c'est même pas recommandé, c'est obligatoire. C'est ça, obligatoire à 6 km du col en fait. Voilà, donc problème, on peut vraiment pas y aller. Donc on recherche des chaînes, on va essayer de trouver des chaînes, il faut trouver des chaînes. J'espère qu'on va les avoir parce que vraiment, je serais vraiment déçu. Trouver les chaînes, enfin. Après quelques magasins, on a pu en trouver, donc j'espère que ça va le faire, hein. On a pris ça. C'est nickel, c'est la bonne taille de pneu, c'est tout ce qu'il faut, c'est... bien chiant à monter, ce qui paraît. Voilà, bien chiant à monter. Et non, c'est marqué 10 minutes. Quand on connaît. Bon. Après, c'est un détail. Ouais. Mais de toute façon, je pense qu'il y aura des gens qui vont nous aider. Enfin bon, on va se débrouiller. Système D, on connaît. On va les monter. On va ensuite s'attaquer au col. Et puis ben, en haut, on va s'attaquer. On va voir une vue de splendide, quoi. Une vue sur au-dessus des nuages. Non, en dessous. Non, ah, bah non, il n'y a pas de nuages. Aujourd'hui, il n'y a pas de nuages. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de nuages. Bon bah, au moins, on est tranquille. Mais il y a des fois, tu m'as dit qu'on pouvait aller au-dessus des nuages, on voyait au-dessus... Ouais, il y a des fois, bah, ça arrive ouais, quand les nuages sont assez bas. Bah, en fait, tout simplement, avec la voiture, on passe au-dessus, quoi. Ah, c'est génial. Et ça c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, c'est vraiment magnifique. Donc du coup, bah, on se retrouve en haut du col. À toutes. On est arrivé au col du Portalet. Ouais. Il fait pas chaud, on s'est bien équipé. Hein. Il fait pas chaud, il fait à peu près moins 7, moins 8. On va monter les pneus neige tranquillement. Alors qu'on aurait dû les monter il y a bien longtemps. Ouais, mais voilà. Franchement, la route était dégagée. Ouais, ça pour ça c'est vraiment bien. Il y a quelques portions qui étaient un petit peu. On a vu la déneigeuse, elle est juste là-bas, je crois. Ouais. Donc pour ça c'est bien. Mais. Mais bon, on va pas tenter de redescendre sans les pneus. On se tape, il y a une vue. Juste magnifique, on dirait le fond d'écran de macOS 6, macOS Snow Leopard. Ouais, ou non, Atira là, Sierra et Atira, ouais, avec la montagne. Ouais. Enfin, c'est beau. Non, c'est paysage, c'est une carte postale quoi. C'est une carte postale. Malheureusement, on est arrivé un petit peu en retard, mais bon, on a pris le temps pour monter. Mais c'est ouf quoi. Et puis, regardez l'épaisseur. Regardez l'épaisseur de la neige. Alors, je sais pas. Voilà, putain, si je vois Nolan à côté. Attends, que ça glisse. Du truc. C'est. Voilà, c'est dur et regardez le pied, on le voit même plus. Voilà. Donc pour vous dire que. Y a beaucoup. Il y a beaucoup. Allez, sur ce, hop, on va aller faire un petit tour, acheter des petits souvenirs et on se rejoint juste après. La
Malheureusement, je n'ai pas pu finir les dernières prises vidéo. J'avais plus de batterie, les deux batteries m'ont lâché du Sony. Donc du coup, je préfère finir ça en voix off. C'était un vlog rapide, mais surtout pour vous montrer la beauté du paysage de ces montagnes et des Pyrénées. C'est vraiment magnifique. Le col du Portalet est à visiter, c'est dans les Pyrénées, c'est pas loin de Pau et c'est bien sûr à la frontière de l'Espagne. Sur ce, les cocos, je vous laisse. N'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un petit commentaire et puis à vous abonner. Ça me fera plaisir. Allez, ciao !